Salut les amis. Alors, je vous avais bien dit de pas rentrer sans moi dans ce business, bande de fils de pute. Va. Qu'est-ce qu'il y a, Brahim? T'es pas content de me voir? Si, mais... Mais normalement, t'es mort, toi. Selim, rapporte-moi le cafard. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Regardez ce que je vous ai retrouvé. Et de base, Clément, il m'a dit qu'il t'avait retrouvé avec un couteau dans le ventre. C'est vrai. Mais ce bon vieux Sergio, il est venu me chercher et m'a amené à l'hôpital. J'étais en train de me vider de mon sang comme un chien. J'étais inconscient. Mais Sergio, il pensait que c'était Clément qui t'avait planté. Je sais, ce cave, il a voulu régler les problèmes sans moi, mais quand je me suis réveillé, c'était trop tard pour lui dire, il avait disparu. C'est Amar, il a dû le fumer, ce fils de pute. Mais attends, Mounir, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi t'es pas revenu direct au quartier? Je fais exprès, William. Je me suis fait charcler, je pesais 20 kilos. On aurait pu me faxer. C'est pour ça que je suis venu dans le sud, chez mon cousin Selim, pour me refaire. Et tu nous as retrouvés comment? Il y a un de mes gars, là, qui m'a fait tourner une photo, Diamar. Alors j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai tout de suite compris qu'il voulait vous baiser votre clip. Et tu lui as niqué sa mère? Non, il était déjà parti. Mais j'ai pu parler avec ses nouveaux amis. Quels nouveaux amis? Pourquoi il est encore sur vos côtes, Yamar? C'est Clément, il l'a tué. Et alors, vous avez rien à voir avec cette histoire de Go Fast? Eh, Brahim, il a trop ouvert sa bouche au quartier. Du coup, Yamar, il a pas apprécié. Il marche avec notre ancien producteur maintenant, Shishman. Il veut niquer Apache Music. Shishman. Et votre rappeuse, là, que vous venez de signer, vous êtes sûr qu'ils ont rien contre elle? Non, pourquoi? Parce que les gars qui étaient avec Yamar, ils bossent pour un mec qui la connaît très bien. Et lui, c'est un chaud. Chaud comment? Il est très dangereux. Je vais devoir faire attention à moi à cause de vos conneries, là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais revenir sur Paris, vous me revendrez ça. Tu penses qu'ils en avaient après l'Alpha? Je sais pas. Mais votre rappeuse, là, elle a très très mauvaise réputation à Marseille. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle vous a pas tout dit. Ouais, William. J'ai une galère, il faut que tu m'aides, là. Si tu devais quitter le pays, te faire des faux papiers en urgence, tu irais voir qui à Marseille? Attends, qu'est-ce qui se passe, là? Mais rien, une galère qu'on doit gérer nous-mêmes, t'inquiète. Bon, tu vas à l'Estac, il y a un mec qui fait ça, là-bas. Tous les gars de la street, ils vont le voir, c'est le seul qui travaille vite et bien. Je te texte l'adresse tout de suite, écoute-moi bien. Si t'as un souci, tu m'appelles. L'Estac, tu dis? Ouais. Ok, merci, Mounir. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Cette semaine dans Planète Rap, entre 20h et 21h, découvrez Yamar. Psartek, le manager. C'est pas mal ici. Il est où ce connard Brahim? Il est avec sa meuf. L'Alpha, c'est ça? C'est ça. Ou tu peux m'appeler Sarah, c'est comme tu veux. Pas du tout, c'est moi qui ai insisté pour te voir. Donc déjà, merci pour Marseille. Parce que ces petits cons, là, ils oublient trop souvent que j'étais avec eux. Hein? Bande d'ingrats de merde, va. Combien de fois j'ai pris tes patins, toi? Parce que si tu regardes bien, ici, là, c'est un peu grâce à moi, non? Je sais. Et quand j'ai dit à William que j'avais besoin d'être rassuré, il m'a tout de suite parlé de toi. On me propose une association. T'aurais 10% de toi à Apache Music et en échange, t'assures notre protection. Et tu règles toutes nos embrouilles, c'est rien. Eh, hey, raconte pas ta life, je m'en bats les couilles. Concrètement, ça va me rapporter combien, tout ça? Pour l'instant, pas grand-chose. Mais par contre, si l'album cartonne, tu seras associé au succès et t'auras ton pourcentage. Mounir, on va te laisser réfléchir. Mais si t'acceptes, il y aura juste une petite condition. Suleiman. Sur la tête des oiseaux. Mounir. Comment ça va, mon frère? Bien, et toi? Ça va. Alhamdoulilah. Kamel. Mounir. Alhamdoulilah, mon frère, t'es incroyable. Je suis un immortel, sale fils de pute, qu'est-ce que tu crois?
C'est qui le frère? Pas Noir. Oh, t'inquiète, c'est un gars sûr, il est carré. Bienvenue à Noir. Merci frère. Bon alors, tout le monde est chaud? Chaud bouillant, frère. On est prêt, hein. Et c'est parti, Planet Rap sur Skyrock avec les images disponibles sur le Skyrock FM. Tout le monde est là? C'est parti. Salut, ça va? C'est moi plus 4. Ok, pas de soucis, bonne soirée. Regarde-moi ces cheveux-là. Fils de pute! Non! Écoutez-moi bien, si je vous revois au quartier, je vous déterre au moins. Ça compris? Allez, lâche-moi! Lâche-moi! Toujours enculé! Et quand je vais rentrer à la cité, ça va être un film de cul! T'as pas de réponse non plus? Est-ce que... Juste deux secondes, est-ce qu'on peut, je sais pas, peut-être demander au rappeur Mystère... Ouais, William. Il est avec toi, Brim? Qu'est-ce qu'il fout avec moi? Je vous ai dit que j'étais à Marseille, je suis allé récupérer des trucs. Je sais, mais c'est chelou, là. J'ai pas de nouvelles depuis Planet Rap. Alors là, on a un problème. Pourquoi? Parce que ce petit enculé, hier soir, il m'a envoyé un texto pour me dire que toi, t'avais besoin d'une chicha pour booker un showcase. Quoi? C'est quoi cette histoire? Laquelle chicha? Je crois que c'est celle d'Ousmane. C'est qui ce gars? J'en sais rien, mais je sais que c'est une grosse tête du 9-2. Eh, Mounir, s'il te plaît, essaie d'en savoir plus. Vas-y. T'es prête? Chose à te dire. Ce fils de pute là, c'est un très grand vicelard. Donc quand il te parle, baisse jamais les yeux. Ok? Alors? C'est comment? T'inquiète pas, ça va bien se passer, j'ai tout géré. Antenne dans 10 minutes.